Les aventures approximatives de Pat Magnum. Alors, on est d'accord? Tu diras à ta mère que je t'ai payé, mais un voyou t'a attaqué et t'a volé la somme. D'accord. Quand Virginia est partie. Ouf, pour cette fois je m'en suis tiré, mais combien cela durera-t-il? De toute façon, tu es un chien, Pat Magnum. Tu devrais avoir honte de te mettre avec des beautés pareilles. Mais attendez cette dernière case-là. Ça me rappelle quelque chose. Dieu, mais il s'agit de deux personnes en train d'engueuler leur miroir pour des raisons aberrantes. Cela ne peut pas être une coïncidence. Si, si, c'est définitivement une coïncidence. Ah, salut, je suis Watelias, et trêve de BD vaguement érotique mais surtout mal dessiné de la fin des années 70, car aujourd'hui, je vais super bien jouer à des simulateurs en provenance d'Allemagne. Et puisqu'aujourd'hui je parle d'Allemagne, eh bien je vais essayer, au mieux de mes capacités, et pour par respect pour nos copains d'outre-Rhin, de ne pas mentionner un certain monsieur Moustachu, ni les plans farfelus qu'il a élaborés au milieu du siècle dernier. Alors, ceci étant dit, on va maintenant pouvoir reprendre le cours normal de cet épisode, alors, c'est parti l'Holocauste! Putain, 15 secondes, j'ai même pas tenu 15 secondes. Oh, je suis mauvais... Merde! Ah, j'ai presque failli oublier, mais l'épisode d'aujourd'hui, c'est l'épisode spécial Noël. Ah, et aussi, du coup, c'est aussi l'épisode spécial Hanouka et spécial Kwanza. Ouais, j'ai pas de décoration pour Hanouka ou Kwanza, en fait, donc... Noël. Voilà, voilà. Infirmiers qui soignent les blessés en leur mettant des disques et des cassettes, la musicothérapie au service de la fracture ouverte. Donc, c'est parti pour Ambulance Simulator. Enfin, pardon, simulateur d'ambulance. C'est la jolie traduction, hein. On va changer le profil et on va s'appeler Docteur Watzelias. Jour numéro 1, empilé trop haut. D'accord, deux caisses l'une sur l'autre, c'est pas empilé trop haut, hein, c'est... Start. Accident. Travail touché par les caisses. Travailleur touché par les caisses plutôt. Ah ! Tais-toi, merci. Attention, petit tremplin et... C'est décevant. Disappointed ! Alors, c'est reparti, hop. Non, ah ! Ah, putain, mais ça tourne n'importe comment. Oh, les arbres en 2D moches. Oh là là. Oh, c'est moche. Raccourci par la montagne. C'est parti! D'accord, le raccourci par la montagne moyen. Non, accélère. Ah, si je peux passer quand même. La persévérance! Rien à faire que ça s'arrête. J'ai bien, en fait, c'est un mur invisible qui se déplace à chaque fois que tu tapes dedans. C'est pratique. J'ai un peu l'impression que c'était codé à la piste. Hop! Oh, la cascade! Fabrice! Ah, cette méchante caisse! Allez, ah, je pousse la caisse, Fabrice! Fabrice, je viens te sauver! Fabrice, je me mets dans le petit cercle. J'essaie de me mettre dans le petit cercle, mais cette ambulance se contrôle particulièrement mal. Voilà! C'est pas. C'est. Allô? Mais c'est l'hôpital, ça? Pourquoi je suis retourné à l'hôpital? Et pourquoi je suis obligé de faire clic droit sur l'écran pour tourner la caméra? Viens, monsieur! Aide-moi, c'est... Oh! Oh mon dieu, mais je pousse la voiture... Mais je suis Superman! Eh, ah, monsieur! Monsieur, viens! Tous les deux, on va aider Francis, monsieur! C'est... Arrête de... Arrête, Parkinson! La voiture qui a Parkinson, c'est pas bien! Arrête, reviens ici, Madame voiture, elle veut pas m'aider! Un kilomètre à pied, ça use, ça use! Un kilomètre à pied, ça use... Oh, le ciel... Tiens, je peux voir les limites de la skybox, c'est génial. Je vais mal se dire qu'en fait, nous vivons dans un cube. Oh, comme dans le film Cube. Oh, et comme dans la suite Hypercube. Oh,
Et comme dans la suite de la suite, Cube Zero... Ah, Fabrice ! Fabrice, je suis revenu pour toi, je vais t'aider, Fabrice. Je vais te sortir de sous cette caisse, tu vas voir, Fabrice. Fabrice ! Fabrice ! Oui, ton cœur bat. Et température... Oui, tu as un squelette, bravo, Fabrice. Faut faire quoi pour... J'appuie sur toutes les touches, mais ça fait rien. Fabrice, est-ce que ça fait mal quand j'appuie là ? Oi ! Et là ? Oi ! Sur le bras. Oh, ça fait super mal. Je vois le problème. Tu as un bras. Si on te coupait le bras, ça ne ferait pas mal quand j'appuierais dessus. Oh, merci, docteur. C'est un bon diagnostic. Je n'y aurais pas pensé moi-même. Eh oui, c'est pour ça que c'est moi le docteur, Fabrice. Ah non, merde, j'ai déjà fait cette blague. Ça m'énerve. Pourquoi ça marche pas ? Après de longues et périlleuses recherches, j'ai enfin trouvé comment faire pour que la première mission du jeu fonctionne correctement. Et par longues et périlleuses recherches, je veux dire que j'ai juste trouvé un vieux post sur un forum de jeuxvideo.com. C'est un bug avec le format des nombres qui n'est pas correct dans les régions françaises. Oula, qu'est-ce que... Ok. Et c'est parti ! Alors, allez, non. Stop. Stop ! Ah, ça se pilote vraiment comme une bite, ce truc. Mais pas une bite bien dure, une bite flaccide, je veux dire. Attention, et... Oui ! Je suis apparu au bon endroit ! Oh, merci, madame l'ambulance... D'accord. D'accord, elle est transparente, l'ambulance. Elle est de l'intérieur. C'est... Ouh, c'est très, très spécial comme truc. Bon, Fabrice ! Alors, normalement, Fabrice, je devrais pouvoir te sauver, maintenant. Tu es prêt, Fabrice ? Oh ! Le rythme cardiaque. C'est parti. Tu n'as plus de rythme cardiaque, maintenant ? Tu me fais peur, Fabrice. Hop, c'est parti. Qu'est-ce... D'accord... Pourquoi est-ce que la texture là est ridiculement trop basse? Vite, à l'hôpital, Fabrice! Poussez-vous, j'ai un patient à patienter! Bah, c'est pas là l'hôpital. Parce que c'est là où j'ai commencé en fait tout à l'heure. C'est très bizarre comme. Ah! D'accord. Allez. Allez, tu peux le faire, monsieur l'ambulance. Madame l'ambulance, pardon. Allez. Si, tu es rentré dans le trou. Voilà, j'ai terminé là. Ah ! La ville a disparu ! Prends-toi ça, espèce de voiture. Non ! Arrête, madame la voiture ! Je suis une ambulance, tu me dois le respect. Respectez mon autorité ! Putain, c'est super chelou l'effet quand tu tournes avec les arbres. J'ai l'impression d'avoir pris des champignons hallucinogènes. Des champignons ! What a... Oh, c'est quoi c'est... Pourquoi il y a le Colisée en plein milieu de l'Allemagne? C'est pas le Colisée, c'est quoi ça? Fonce! On va au Colisée! Ah, j'ai pas le temps pour les clôtures! Tous au Colisée. C'est moi où il flotte le Colisée. Bon bah, je vais au lieu de l'accident, puisque de toute façon, le jeu a décidé de me faire la gueule. Il veut pas me laisser entrer dans le Colisée. Voilà, moi je fais des efforts, je contourne des clôtures et je peux pas aller au Colisée. Putain, arrête de te coincer sur tout et n'importe quoi, espèce d'ambulance de merde. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Oula, vous. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous aussi vous avez pris des champignons et ça s'est mal passé? Oh, je batte trop. Oh là là, oh les couleurs. Non, d'accord, ce jeu m'énerve, ça n'a pas de sens, je vais au Colisée. Mais c'est super moche votre truc. Mais les Allemands, mais vous avez encore déconné? Eh mais vous, n'importe quoi. Mais c'est... Cause I'm TNT, I'm dynamite, TNT, and I will not fight. Blaster Simulator.
Profil 1, docteur qui fait du boue. Ah non merde, j'ai déjà fait cette blague. Ah non merde, je l'ai déjà fait la blague, je l'ai déjà fait cette blague. École de dynamitage, apprends les bases en relation avec les matières explosives. TNT. Une clôture. Faites exploser cette construction de poutres en acier soudées ensemble. Trouve les points de fixation. Paroi de pierre. Beaucoup de bâtiments sont composés de pierre. Essayez de trouver le point ultime pour placer la charge explosive. Chevalet en croix. Dans un cours de temps postérieur, tu rencontreras... Dans un cours de temps postérieur ? Que nom de Dieu. C'est d'accord, c'est officiel. Les gens qui ont traduit jeu ont fait ça n'importe comment. Ils étaient alcoolisés au plus haut degré. Ton contraire, ce chevalier en croix. Place le plastique explosif à l'endroit le plus efficace. C'est parti les explosions. 3, 2, 1, bonne année. Ça c'était très bizarre, mais tout d'un coup l'écran s'est retourné. C'était une explosion très puissante alors. Prochaine mission. Oh, le joli pylône. J'ai deux pylônes électriques. Oh mon dieu, mais ça veut dire que je suis dans le cours de temps postérieur dont il parlait à l'école de dynamitage. Oh mon dieu, mais c'est comme s'il y avait un scénario à jeu qui était bien écrit. Et mal traduit. Petit pont d'autoroute. Le pont doit céder. Panana. Le pont doit céder. Le pont cédera. Prends-toi ça, le pont. Tu t'écroules, le pont. Alors, non. 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 Non, la physique, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais le pont doit céder, le pont cédera. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Car je m'y connais en pont. Comme celui d'Avignon, par exemple, où on y danse tous en rond. Voilà, c'est les paroles. Je connais les paroles du pont d'Avignon. Je suis trop fort, je fais tout péter. Je fais tout péter. Je vais... Ah, nous avons les moyens de vous faire péter, monsieur le pont. Ah ah ah, tu as cédé, espèce de connard. Que 45%, il y a plus de 45% de trucs qui sont cassés, monsieur. Si, si, tu m'excuses, mais ça, c'est plus de 45% du pont qui a pété. Je grognogne, la poussière par terre, je grognogne. Quoi? Je me excuse, mais quoi, pardon? Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. Allez! Oui, 51%, je t'ai niqué le pont, je t'ai niqué. Le petit tour en bois, bing, boong, bang, bang. Asseyons-nous sur le petit banc pour regarder la tour avec bon point de vue. Que je n'arrive pas à me mettre sur le banc, c'est pas grave, je suis sur le banc. Ah, ah, petite explosion relaxante. Quoi? Qu'est-ce que... Mais c'est du bois. C'est pas élastique le bois. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que... Nope. 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 Oh, trop classe. Oh, on dirait un petit bébé là avec ses deux yeux, son petit nez et sa petite totote. Je suis un bébé. Ouais, ouais, je pleure. Une vache. Un tracteur. Oh, ce petit dérapage de merde. Oh, c'est beau. Pour moi, un drapeau pirate. Meilleur jeu de tous les temps. Meilleur jeu de tous les temps. 10 sur 10. 14 sur 14. 237 sur 337. Créer un nouveau profil, je suis le fermier de l'extrême. Je peux tuner mon tracteur. Oh, je peux lui mettre un petit chapeau. Meilleur jeu de tous les temps. Une course avec des opposants. Barrez-vous, bande de cons, je vais vous baiser. Je suis un cow-boy, vous avez pas vu mon chapeau? Prenez-vous ça, bande de... Spectateur! Cowboy! Quoi?
D'accord. Prends-toi ça! Bang! Ah ah ah! Je l'ai craché. Car moi, je suis un fou. Moi, j'en ai rien à faire des règles. Moi, je démolis les autres tracteurs si je veux d'abord. Ah! Arrêtez! Putain d'enculé! Vous m'avez complètement niqué ma remorque. Casse-toi! C'est la revanche pour tout à l'heure quand je lui ai niqué sa gueule. Arrête! Tu vas me faire perdre! Ah, je suis coincé, je peux pas accélérer, c'est génial. Il m'a coincé l'autre con. Barre-toi! Barre-toi! Arrête! Avance, allez, avance, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu as un chapeau de cow-boy sur la tête, tu peux le faire! Ah! John Wayne! Aide-moi! Lol, non. Le con. Ah non, c'est bon, j'en suis reparti! Je peux encore gagner la course! Oh! Destiny Riding! The 18! D'accord, même les panneaux ne comprennent pas ce qui se passe, c'est génial. Bronze Prince, Price. C'est nul. Ah ah, je peux faire. Je peux tondre la pelouse! Putain de oui, j'ai toujours voulu faire ça dans ma vie. Je suis un cow-boy qui tourne la pelouse, prends-toi ça, pelouse! Ah, et on peut voir ce que j'ai taillé sur la minimap. Ça me donne une idée! Et voilà, mon chef-d'œuvre est fini. J'ai fait un smiley qui ressemble vaguement au logo de Nirvana. Le fermier de l'extrême a enfin terminé sa mission. Il peut partir au loin, vers le soleil couchant. Tiens, il y a de l'eau. Manuel, du con! La voilà, te pesca! Ah. Et pourquoi tant de haine, Père Noël? C'est mal, merde. Oh, mais c'est que tu ne m'as jamais invité dans une de tes vidéos spéciales Noël. Moi ça me blesse. Moi ça me rend triste, tu comprends, Azelios? Mais Père Noël, mais c'est puéril comme comportement. Tu pourrais pas arrêter de me haïr comme ça? Tiens, même pour enterrer l'âge de guerre, je suis même prêt à te faire un joli cadeau. Hey, je parie que c'est une machine à café Senseo? Non, pas vraiment, non. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est une imprimante! Mais qu'est-ce que tu veux donc que ça aille foutre avec une imprimante, petit con? Te la prendre dans la gueule! My wife. Hang 10, Rudolph and Prancer.